C'est le 15 août aux Tuileries, à Paris. Il est midi et demi. Calé sur un siège en plein soleil parmi les cris aigus d'enfants qui se pourchassent, vous avez terriblement soif. Vous marchez jusqu'à l'échoppe de la place de la Concorde et vous achetez des limonades, une par une. La première vous emplit d'une volupté profonde. À la seconde, le plaisir est un tout petit peu moins intense. À la troisième, vous êtes saturé de fraîcheur et de sucre et vous décidez de ne plus boire du tout. Sans y paraître, vous venez de démontrer une loi fondamentale de l'économie qu'on appelle le principe de l'utilité marginale décroissante. Plus vous consommez un bien, plus le plaisir que vous tirez de cette consommation diminue. Cela s'applique à toutes les catégories de biens, ou presque. Car à quelques mètres de là, un quatuor à cordes joue un morceau de Schubert. Vous ne connaissez presque rien à la musique classique, mais vous connaissez ce morceau, car un professeur de musique vous l'a fait écouter en classe de 4e. Vous vous approchez et vous reconnaissez les trilles touchantes qui vous avaient marquées à l'époque. Contrairement à la limonade, cette seconde expérience de Schubert vous apporte plus de satisfaction que la première. Satisfaction qui grandira encore lorsque vous l'écouterez pour la 3e fois. Schubert vous fera peut-être apprécier Beethoven, qui lui-même vous mènera vers Brahms. Vous déposez 10 euros dans l'étui du violoncelle et vous prenez le CD du quatuor. La musique et les autres biens culturels sont l'exception à la règle de l'utilité marginale décroissante. Plus vous consommez de musique, plus vous lisez de livres, plus vous fréquentez les musées, plus la satisfaction que vous retirez de ces consommations augmente. Mais il faut que cet enchaînement soit amorcé. Dans votre cas, c'est l'État qui a joué ce rôle d'amorçage en vous offrant, par le biais du professeur de musique, une première dose de Schubert. Et c'est à cette première dose gratuite que l'économie française doit à présent les 10 euros que vous venez d'y injecter. Vous remarquez alors deux jeunes touristes américaines visiblement perdues. Elles vous demandent de leur indiquer le Sacré-Cœur. Vous leur répondez dans un anglais bancal que c'est là-bas, de l'autre côté de la ville. Elle sourit et complimente votre accent crémeux avec des superlatifs en ing. Vous êtes visiblement français et cela vous procure d'emblée un capital de sympathie gigantesque. Or, qui vous a offert ce prestige sinon le travail multiséculaire de la culture française? La grande cuisine, les films de la nouvelle vague, la littérature libertine. Les auteurs de ces créations ont produit des objets qui ont contribué au rayonnement de la France, rayonnement dont vous recueillez aujourd'hui les effets, debout sur la place de la Concorde, sans avoir pour eux déboursé le moindre centime. Vous ne le savez toujours pas, mais vous êtes en train de profiter de ce qu'en économie, on appelle une externalité positive. Le marché libre étant incapable de la prendre en compte, c'est l'État, par l'intermédiaire de la subvention, qui doit décider de son importance. Tous les trois, vous prenez alors un taxi qui traverse la ville. Arrivés au Sacré-Cœur fraîchement rénové, vous payez le chauffeur avant de choisir un café pour la vue merveilleuse qu'il offre sur le monument. Et vous passez votre soirée à boire des cocktails compliqués. Les limonades des Tuileries, le disque de Schubert, le taxi, les cocktails. Auriez-vous fait tous ces achats si à deux pas de vous ne se trouvait pas un espace public qui valait qu'on s'y attarde ? En payant les jardiniers qui entretiennent les allées des Tuileries, en aménageant les trottoirs de la Concorde, en rénovant la toiture du Sacré-Cœur, l'État vous y a fait venir et a déclenché des dépenses que sans lui vous n'auriez sans doute pas faites. Votre argent a enrichi des commerçants qui l'utiliseront à leur tour pour faire des achats. C'est ce qu'on appelle enfin l'effet multiplicateur de l'investissement culturel. En une demi-journée, vous avez illustré successivement trois grands principes économiques qui justifient chaque année l'investissement public dans la culture.